Salut tout le monde, c'est Yann Esther et aujourd'hui on se retrouve pour notre dixième PGM test. Eh ben dis donc, je ne pensais pas en arriver là. Et aujourd'hui pour ce dixième PGM test, nous allons jouer à un jeu complètement n'importe nawak. J'ai nommé Offensive Combat. Offensive Combat, qu'est-ce que c'est? C'est un MMO FPS qui a une particularité aujourd'hui puisque... ce sera l'une des lineups. Alors pour l'instant le jeu est en bêta fermée et il sera l'une des lineups de la Ouya. La Ouya, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Alors c'est la console dont tout le monde, enfin tout le monde, dont j'ai entendu parler sur jeuxvideo.com, qui a récolté sur Kickstarter, donc qui est un site qui permet de financer les projets de certains, qui a rapporté à peu près 8,5 millions de dollars. Oui, en dollars. Et qui a intéressé bon nombre de développeurs, dont Notch, le créateur de Minecraft. Mais bon, passons à cela et testons ce magnifique jeu. Alors pourquoi disais-je que ce jeu c'est vraiment n'importe nawak? Alors tout d'abord avec la customisation, puisqu'on peut customiser son personnage. Mais customisation à la n'importe nawak, comme par exemple... Je peux choisir, comme vous voyez, n'importe quel corps, par exemple, une banane. On va choisir, allez, une banane. Sauf que je ne peux pas encore débloquer la banane pour l'instant, puisqu'il faut être niveau 15, je suis à peine au niveau 5. On peut vraiment faire de tout n'importe quoi, d'ailleurs, une tête de lézard, d'ailleurs. Oui, on va commencer par customiser notre personnage. Je vais prendre un lézard juste pour un jour, c'est le temps, justement... le temps de faire cette vidéo. Un lézard en... Allez. On va dire avec... une chemise bleue. Voilà, un lézard avec une chemise bleue. Avec des bras robotiques. Ce jeu, c'est vraiment n'importe quoi. Et aussi des jambes de pirate, voilà. Ça nous fera donc un lézard amputé avec une chemise hawaïenne et une jambe de pierre et des bras robotiques. Alors l'autre particularité qui fait aussi que ce jeu est n'importe nawak, c'est avec ceux-ci qui sont en fait des humiliations qu'on donne à nos morts en fait. Je vais vous montrer ça en jeu par exemple. Une petite reprise à Michael Jackson que je vais essayer de trouver. Où est-ce qu'il est, peut bien être celui-là? Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Comme vous pouvez le voir, attendez, je vais le chercher. Ah, mais il est où? Bon, enfin, bref, c'est pas grave. Donc, vous voyez, c'est vraiment n'importe nawak qu'on peut humilier ces personnages. Que je vous montrerai en jeu. Les petits... Non. Et petit message à Cortex. Voilà. Attends, c'est mal regardé. Petit message à Cortex. Voilà. Ceci étant fait. Donc, c'est vraiment n'importe nawak. Donc, on va jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mode dans ce jeu? Alors, nous avons 4 modes. Dont le truc Raltor. Là, j'ai pris Play Custom Game pour justement choisir une partie. Donc nous avons le Free for All, le Team Deathmatch, le capture de drapeau et le capture de points. Donc je ne vous présente plus le Free for All qui est en fait un chacun pour soi, on s'en prend plein la tronche. Le Team Deathmatch, pareil qu'un Free for All, sauf que c'est en équipe. Le capture de drapeau, on a 2 drapeaux, on doit piquer le drapeau à l'ennemi pour le récupérer chez nous pour marquer le point. Et par contre le capture de points que je vous ai pas expliqué. Alors c'est comme le capture de drapeau à Call of Duty, c'est-à-dire que Call of Duty, oui, Activision a vraiment tout compris. Donc le capture de points, qui consiste en fait à capturer des points pour marquer des points en un certain temps.
Et donc ce sera sur un free for all que je ferai cette vidéo. Et nous avons 5 maps. Je vais prendre random. Et tournament qui va bientôt venir. Ah, et aussi, petite particularité, on a aussi ces deux là. Alors il faut savoir, je vous l'ai déjà dit, que ce jeu est en bêta fermée. Et que pour l'instant il n'y a pas tout disponible, ça arrivera. Et ce qu'on sait de là, Create Loud Out, et un autre qui n'a pas de nom, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais déjà rien que la forme du carré, ça veut peut-être dire qu'on va pouvoir peut-être créer nos propres maps, mais ceci serait sûrement des trucs pour acheter des arbres, enfin bref. Donc on va faire un free for all sur n'importe quelle map, en espérant qu'on en trouve. Play Custom Game. Voilà, le chargement est un peu lent. Je suis désolé. Donc, c'est parti pour un free-for-all où on va vous expliquer exactement ce que c'est aussi ces histoires d'humiliation et aussi l'histoire au niveau des expériences, comment cela marche. Donc, le chargement est toujours lent. Donc, petite ellipse, donc le chargement n'est pas terminé. Voici donc, petit malheureusement inconvénient, il n'y a pas de serveur en free for all, donc ce n'est pas grave, on va faire ça en Team Deathmatch. Alors Team Deathmatch, alors ça vient toujours de commencer, il n'y a personne encore qui s'est... Enfin, il y a une personne à peine qui vient de rejoindre. Et le but donc de ce team test match, alors je suis... Alors on est toujours les bleus je crois, je suis pas sûr. Et nos ennemis sont les rouges et le but c'est d'en se mettre plein la tronche sachant qu'on est en équipe. Oh purée. J'ai entendu quelque chose. Non, c'est peut-être mon petit bonus. Ah, un coéquipier qui vient. Je vais lui dire aïe parce que c'est la politesse, il a dit aïe. Aïe. Aïe 5. Je comprends pas ce qu'il veut dire, mais bon, c'est pas grave. Donc, elle aussi, alors, vous pouvez le voir, on peut courir, on peut s'accroupir, sauf que, voyez, il y a une jauge en bas. Alors, c'est le petit inconvénient du jeu, mais bon, on va pas considérer ça comme un gros inconvénient. C'est une jauge pour courir, et malheureusement, alors, bien entendu, on a aussi des systèmes de visée. Alors, sur aussi les petites armes, c'est rare de trouver des jeux gratuits qui propose des viseurs pour les armes secondaires. Et en tout cas, c'est fort sympa. Ah ! Son erreur était fatale ! Il a tiré, en effet, ce qui a enclenché, en fait, le radar que vous voyez juste en haut à gauche, qui permet de repérer les joueurs. Et je vais prendre la grosse mitraille lourde, qui, malheureusement, contrairement aux autres, n'a pas de visée, qui va me permettre de massacrer ce... qui s'est fait repérer. Malheureusement, je l'ai perdu de vue. C'est dommage. Ah, on a tiré vers là-bas. On a tiré vers là-bas. Alors, je possède aussi une grenade. Alors, je vais peut-être la lancer inutilement. Par exemple, ici, hop. Vous voyez, une grenade. Ou plutôt, une petite bombe. En tout cas, ça en ressemble. Oh, il y en a un. Il y en a un. J'ai tiré. Il y en a un. Tu veux le voir? Non. Bon, super. Il y a personne, bon. Alors justement, ce que j'aime bien dans ce... C'est aussi le système de... Il y en a un qui est pas loin de chez moi, mais je le vois pas. Peut-être là-dedans, non? Bon. Donc le système d'expérience qui est un peu comparable à Battlefield, donc c'est-à-dire comme quoi on a du des expériences au kill assisté. Wow, 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 wow. Ok. Alors j'ai aussi quelques objets comme vous voyez en bas à gauche ici qui s'appellent par exemple pute à bacon, c'est-à-dire on va le marquer pour justement l'avoir tout le temps sur notre carte. Bien entendu, ces objets sont en nombre limité et on peut en acheter aussi en boutique compte de l'argent qu'on gagne au fur et à mesure qu'on joue au jeu. Donc il veut pas y sortir de ce truc. Donc, je disais donc, au niveau des expériences, on a donc, on peut gagner plus facilement de l'expérience. Tout simplement parce que le mode d'expérience est comparable à celui du Battlefield. C'est-à-dire, on a du kill assisté.
Et aussi, sachant que si on tue nous-mêmes, et aussi l'humiliation que je vous avais parlé tout à l'heure, qui permet aussi d'avoir de l'expérience, oui, en humiliant nos... Oh! Ça, c'est pas loin. Quoi? Il m'a eu? Mais il était même pas... Bon, 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 enfin bref. De toute façon, je l'ai encore dans... en marqueur. Il va se... Bien entendu, la vie se recharge aussi automatiquement. Si nous... Comment dire? Si... comme les FPS récents, tout simplement. Salut l'ami! Là, pas si vite. D'accord. Donc, si... Ah, je suis perdu dans mes paroles. Je disais donc... Oui, la vie, justement, qui se régénère, comme un peu de... comme dans, par exemple, Call of Duty et tout le tralala. qui se régénère dès que personne ne se fait. Donc, le but est de ne pas... Et de ne pas perdre notre cible de vue, justement. Ah. Oh, un robot avec une chemise. T'as une belle chemise, mon ami. Bon, enfin, bref, ce jeu, c'est vraiment important de voir que si seulement j'arriverais à vous tuer un ennemi pour justement le spawner. Et allez, allez, allez! Ah! Je t'aurai, Sitgecko. Peut-être en passant par les toits, je l'aurai beaucoup plus facilement. Ah! Pourquoi je peux pas? Oh putain. Ah! Meurs! 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 Mais pourquoi il a pas pris? Oh! Mais je l'ai donné 4000 coups de béton. Bon, enfin, bref. Je crains que ce jeu s'est un peu bugué. Bon, c'est en même temps, c'est en bêta fermée. Donc, ah oui, j'ai oublié aussi de préciser qu'on peut récupérer justement des objets, des petits bonus qu'on nous donne. Pour justement, par exemple, à augmenter les dégâts. Alors peut-être qu'il va le faire. Non, il le fait pas. Il va pas m'humilier. C'est dommage. C'est pour vous montrer justement l'humiliation, comme quoi. Oui! Non! Laisse-toi te cacher! Ah! Ah mais je suis bête, j'ai ma grenade! Grenade! Ah bon. Bon ben, c'est pas grave, c'est dommage, je ne pourrais donc pas vous montrer donc ce qu'était l'humiliation. Ce qu'on va faire, on va se quitter sur cette partie. Je vous dis donc à bientôt sur Bande de PGM. C'était Yann Esther, le lézard en chemise hawaïenne en capitaine, patte de... Enfin, patte de crochet. Et bras robotisés. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager la vidéo et à liker.